Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Plaisir créole, le grand plaisir créole aujourd'hui avec de la cuisine, de l'ambiance et pas mal de personnes comme d'habitude, comme chaque semaine ici chez Canal Austral dans l'émission Plaisir créole. Alors ce soir, nous on a quelqu'un qui fait la cuisine et c'est une équipe, hein, l'équipe de Patrick. Tu connais Patrick, hein, Patrick et Charline, hein, et là c'est une équipe que Patrick a mis en place et qui vient faire la cuisine avec nous ce soir. Il paraît qu'il y en a du CF, hein. Alors Toto l'appelle à moi, t'as là, il est parti rôle le CF, mais quand il l'appelle à moi, t'es pourquoi gagner le CF? Alors, je ne connais pas si le CF a fini d'arriver ou bien pourquoi arriver. Mais comme ça se passe généralement chez nous, hein, nous vendons toujours la peau de l'ours avant de la voiture, nous, hein, comme ça, on a dit ça en deux là-bas, hein. Et ben, ou bien sinon, ils mettent les charrues avant les bœufs, hein, ou bien sinon, créole, il dit comme ça, il fait la boue avant la pluie. Bref, en tout cas, je ne connais pas si vraiment on aura du CF, mais s'il y a du CF, ça va être, je suppose, un bon CF, hein. Nous arrive dans un petit instant, et puis après, nous, ça commence cette belle émission de cuisine, comme d'habitude, sur Canal Austral. Allez, à tout de suite. Alors Christelle, comment ça va? Ça va bien. Hein, il paraît qu'on va mettre quelque chose qui est clair. C'est vrai? Pourquoi août couronne est clair? Parce que je suis la reine ce soir. Ah, tu es la reine ce soir? Non, il y a une princesse de l'autre côté là-bas. On ira la voir tout à l'heure. Oui, ben, c'est la princesse, moi, c'est la reine. Ah, d'accord, alors, d'accord. Dis-moi quoi. Vous connaissez quoi nous fait cuire ce soir là? Comme ça, parce que c'est où l'organise ce soir avec Banala? Voilà, c'est ma soirée ce soir, c'est moi qui organise tout. Alors, nous, on est là, le cuistot qui est là. Oui, qui est là, montre-moi un coup de doigt là. Après Patrick le cuistot. Bon, mademoiselle la commis, il n'est pas encore arrivé. Donc, du coup, Ingrid y arrive un instant. Voilà. Nous prépare toujours un petit peu pour lui. Et donc, après, il y arrive juste pour faire son petit. Et que ça non plus est là pour voir manger ce soir. Alors, ce soir, nous n'est là au menu un CV surf. Oui. Prêt. Oui. Et un poulet à la crème champignon. D'accord. Voilà. Un peu d'oreilles, ça, non? Non, la créolise. Ah, d'accord, alors elle est bon, alors ok. Alors, ben écoute, on va aller voir un petit coup. Julie, où est là? Oui, bonsoir à tous. Ça va bien? Bienvenue dans cette émission. Oui, ben ça va super. Hein. Écoute, donc ce soir, nous les aux côtés de Christelle et de Patrick pour cette fameuse cuisine. Et nous allons cuisiner, bien sûr, des mets qui sont créolisés. Et peut-être un peu aussi, comme on dit, un peu d'oreilles. Donc ce sera un petit mélange des deux. Et donc, nous va découvrir avec Patrick de quoi il est question ce soir. D'accord, d'accord. Voilà. Mais quand on Patrick, va bien là, sûr ce vous soir. Vous connaissez que généralement, hein, c'est le madame qui porte la pièce. Mais toujours. Et bien sûr, il est toujours accompagné de sa charmante épouse Charline. Ah, ce soir, Charline, on va pas bien bénir. Je vais vous dire, copain, copine. Il faut dire la vérité, elle est comme ça, elle est d'accord, d'accord, d'accord. Pas d'épouse. Hein. Voilà, pas d'épouse. Elle a fini épousée, elle a fini machin et puis là, elle a fini arrêter tout ça là-bas. Alors, Charline, ça fait ce soir-là, vous connaissez ou non? Ben oui. Nous garde le secret tout à l'heure, bien dit tout de suite. Ben, je vais commencer à chaîne. Ça, Patrick, il connaît. Ben oui. Ça, on mange tous les jours la case. Mais ciao. Non, CF, on ne fait pas tous les jours. CF, hein? CF, CF, hein? Ils ne volent pas. Hein? Ils ne volent pas? Ah non. C'est un volant. Enfin, c'est un CF qui. Enfin, bref, là, ma fille arrive un petit peu dans un quart d'heure où il n'est pas possible. Là. Un CF volant, je dis. Hein. Ah non, ouais. Non, on va s'arrêter au CF. On va s'arrêter au CF. Hein. Ils ne volent pas ce soir, ils cuisinent ce soir. Le CF, hein. Ils mangent ce soir et ils sont accompagnés d'un bon vin rouge royal. Puisque ce soir, nous sommes dans un palais, nous avons une princesse de l'autre côté. Comment ça va, princesse? Oh, on peut
peut appeler à moi Sista. Sista? Ah bon, d'accord. Sista Groove. Presta Sista ou Sista Groove, en tout cas, bah, bienvenue dans notre émission ce soir. Tu nous fais l'honneur et le plaisir de chanter. Oui, c'est avec ça. On va t'entendre tout à l'heure chanter. Mais pas, oui. Hein? Mais voilà. Pas que. Mais pas que. Que. Mais cuisiner, non. Si, si aussi. Eh ben, on va voir ça. À cause de drone, il vole pas là. Mon drone, il vole pas, hein, parce que maintenant, il y a un drone dans la main. Franchement, filme un petit coup mon drone, s'il te plaît. Elle dit, mon drone, il vole pas. Ah, c'est une drone de dame. Hein. Ah, c'est une drôle de dame. Oui. Effectivement. Alors, Charlie, Nena et Mama, il dit, où le bac, qui c'est les. On va là. Sébastien. Sébastien, comment elle est? Ça va, Sébastien, toujours avec la montre en ombre? On revient à la source. On revient à la source. Ah bon, on habite la source. Ah, pas trop loin, pas trop loin. Ici même, d'accord. Alors, hein. Nous avons ce soir aussi Béna avec nous, qui fait nous le plaisir d'être avec nous. Béna, comment elle est? L'esprit à cuit. Mi wad, bras les croisés. Béna, d'habitude qu'on vient là, à chaque fois, on a un petit coucou à faire à quelqu'un. Ou quelqu'une. Un petit coucou toute la région. C'est tout. Avec Métropole. Ouais. Et surtout les gens qui regardent à nous en France métropolitaine là-bas. Hein? Ouais. D'accord. François, elle peut dire France métropolitaine? Ah ben bien sûr, mais c'est pas métropole à moi, hein. C'est tétropole à toi. Hein. C'est métropole à moi? C'est tétropole à toi. France hexagonale, alors ça va? Ou bien continentale. D'accord. Bien la France, bon, France alors. Tout simplement. Les bons. On va parler de la métropole un autre jour, les bons? Bon. D'accord, alors. Hein. Et après, Sista. Qui ça n'a dit Yahoo comme ça? Enfin, excusez-moi, je dis Mikos Créole avec Sista. Non, c'est pas possible, hein? Princesse Groove, hein? Empress. 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 Princesse. Et, dis-moi, qui est ce monsieur avec sa casquette noire et sa chemise blanche? C'est DJ Cléry. Ah, DJ Cléry, comment ça va? Ça va bien, DJ Cléry, toujours. Là où ça donne le sourire. Oui. Et parce que cette semaine, j'étais un petit peu abriné. Oui. Parce que Nene Mouk est mort. Et en fait, quand c'est DJ Black Panther. Oui. Et même, il est très fan de Black Panther. Et en fait, quand, grâce à ma chérie, aujourd'hui, il a retrouvé un peu le sourire. Donc voilà. D'accord. Big up. La famille Point d'un et les amis. Parce que voilà, il fait du plaisir. D'accord. La famille Canal Austral. Très bien, famille Canal Austral. Canal Austral. Ouais, voilà. Je vais peut-être lui demander l'autorisation. Est-ce que si un jour, si tu veux, le nouveau Black Panther 2. Oui. Est-ce que je trouve que me va bien jouer le rôle? Ouais, ouais. Julie, la peau consentie. La peau consentie. La peau consentie. Et si vous demandez un petit coup, chère et tendre copine, Andina, comment ça va? Ça va bien. Ça va. Et dis-moi, où l'a pas donné Julie? On l'a oublié, pourquoi ce soir? En fait, c'est pas à cause de la poêle, nous. Elle est tellement prise, c'est la poêle de temps. La poêle de temps. Mais ça l'intégrer dans nous, ça va. Ah, d'accord, alors, les bons, alors. Andina, il y a un monsieur, il y a aux autres là-bas. Là. Allez, il rame, il arrête pas de ramer. Il y a plein de son cabri. Il y a une gars décide à la cour, ici, il n'y a pas trop de son cabri. Le matin, comment elle est? Elle est là même matin? D'accord, là, moi, je parle cabri. Non, ce soir, la CF, hein, c'est d'accord. Pas pour Cabrio. Les bon, là, on va retourner tout à l'heure en cuisine, mais ça fait un petit tour à côté de Calix. Calix, oui. Eh ben, dis donc, oui. Oui, bien entouré. Bonsoir tout le monde, garde nous, quand on parle comme d'habitude. Et puis, peut-être qu'être content qu'on garde tout ça dans sur la table là. Ouais. Ça pas fait la gueule là. Ouais. D'accord. Mais, coucou tout le monde, coucou la réunion. Les bons. Ok, Marie-Rose, ça va? Oui, ça va, toujours. Accompagné d'autres chers et tendres, hein, chers et tendres, hein, voilà. Et après qui s'annule en haut là-bas, Calix, hein? Comment les appelle? Hein, comment? La Ginny. Oh, t'es la Ginny, comment tu vas? Bisous. Nouna aussi à côté. Ben Patrick, bon, où ça cuisiné ce soir? Hein? Vous êtes des totos à cuisiner? Mais Coco est à côté aussi, Coco aussi? Un coup de main alors, hein? Mais, et ce petit maman, qui c'est les? C'est mon premier petit-enfant. Premier petit-enfant, comment il appelle? Mathéo. D'accord, Mathéo, les bons, cuisiner avec papy ce soir? À cause. Regarde ça, comment il est sec comme ça. Il a dit, il mange, il cuisine pas lui. C'est ça. Mais bon, alors, ok. Bon, Coco, ce soir, pas de patates sautées. Patates chouchou. Patates chouchou, non, ce soir, non. Hein. Change un petit peu. Voilà. Mais bon. Ok, alors, ok. Ben, Toto, ce soir, on croise le bras. On connaît toujours, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Claude.
toujours content d'être parmi vous. François, m'oublie un proche à caméra à côté de lui parce que Toto cause doucement. Allez, et m'a fatigué avec des messages de tout le monde. Toto cause doucement. Excusez-moi. Tout le temps comme ça. Mais il faut aller dans la voix. Pourquoi c'est la première voix? Comment il cause? Mais à toi, pour les parmi tous ces mondes-là, les conviviales, après, bon, mais nous passons un bon petit moment avec. Et ça lui fait toujours plaisir, puis il avait fait une semaine, c'est toi vendredi soir. D'accord, vendredi soir pour nous, mais c'est tous les jours de la semaine pour les autres, pour les gens qui nous regardent sur Canal Austral, parce que l'émission passe tous les jours de la journée au soir, n'est-ce pas, Atuman? Ah oui, moi, on regarde tout le temps. Ah, on regarde tout le temps, hein, Atuman. Après, matin, on a fait le cabri, là. Non, ça, c'est du cerf, c'est pas du cabri. Je ne connais pas, parce qu'il est pour dire que le cabri. Après... Ah oula là, c'est casse les cuits. C'est comme Fabi, ça peut se manger, casse pas la tête. Ouais, ouais, ouais. Il rame, il rame là. Hein. Il y a quelqu'un qui trappe poisson, moi. Hein. Il rame seulement. Ah, d'accord. Attends, arrête ramer. Bon, Atuman, à soir, on donne un petit coup de main aussi, autrefois. Un petit coup de main, comme d'habitude, alors. Commis. Ben, écoute. Oh, Warren, comment ça va? Warren! Warren est timide ce soir. Timide aujourd'hui. C'est rare de voir où? Hein? De passage? De passage seulement. De passage seulement. Hein? D'accord, alors, évidemment, comme d'autres personnes ici. Comment tu vas, toi? Bien, et vous? Oui, et tu veux vous voir, toi? Hein? C'est bien. C'est... Bonsoir à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être là. Hein? Ah, aussi, pareil, tout au cas, doucement. Le vendredi. Alors, doucement. Attends, un peu de miel talé. Mais bon, ok. Alors. Ben écoute, nous avons fini de commencer là. Hein? Patrick, vous motivez ou à soir? Ça, c'est le CF qu'on coupe pour faire quoi? Un CV CF. Un CV CF. Je dis, mais bon, ça va alors? Ah, ben c'est pas. Mais ça, tu quoi en cuisine, derrière? Parce que vous l'avez derrière là-bas, la cuisine. Oui, parce que Edwige est à la cuisine à l'arrière. Il est en train de faire nous des petits tchak-tchak. Tchak-tchak. Oui, vous savez, comme ça. Comment on dit? Sac-sac. Sac-sac, hein? Mais bon, mais ça va. Edwige, comment il est? Ça va. Ben là, maintenant, au délire, vous savez, Bouchon. Christelle, a vous fait le commis? Commis Bouchon? Sac-sac, comment il est? Super vise. Sac-sac. Sac-sac, comment il est? Sac-sac, comme il est? Ben, allez, bon, alors, ok. Allez. Bon, François, nous ça va, là? Ben, écoute, nous allons manger, alors. Nous allons manger, comme ça. Ben oui. Allez, ben, allez, parti, alors. Il y a quelqu'un qui a un CBC ce soir, aujourd'hui. Sinon, un poulet, c'est un coq, hein, coq à coq. Et ça, on a fait ça aux champignons et à la crème. Après, on a un grain blanc. Un grain blanc aussi. Un grain blanc. Un grain blanc. Un grain blanc. On a deux salades. Deux salades. Et sans millions au piment. Piment. Oui, bien sûr. On ne peut pas avoir un repas avec la lune, là, c'est pas piment. Sans piment, ben oui. Ben, elle est bonne. Alors, et Toto, qu'est-ce que ça me fait? Pour te préparer. Hein? Toujours. Il faut. Chaque fois, il faut une préparation. Prenez la cuisine. Et si on prend la préparation, on prend la cuisine. Bah oui. La préparation d'abord, après la cuisine. Ça, c'est Marmite qui fait quoi ça? C'est le CF. Ah, c'est là donc ça fait un CF, mais là pour couverture, Marmite là? C'est pas grave. Hein, va trouver une. Va fabriquer une. Hein? Donc là où ça fait revenir au CF, alors un petit peu de huile dedans, après on fait revenir l'huile. On va mettre sel, on ne met pas rien. Normalement. Oui, normalement, il faut mettre un petit peu de sel, mais ben, un petit peu de sel. D'accord. Là donc on va mettre le cerf dedans. Le cerf, le sel, poivre, girofle, le thym. Girofle aussi alors. Oui. Et là où là c'est bouillir un petit peu comme ça. Hein, rendre son jus. Oui. Noilie là, noilie bien là. Hein. Et en plus le feu là donne le paquet, ouais. Ah, oublier le feu, ouais. Oui. On fait là pour les flammes comme ça donc. Un petit bout de papier seulement. Et mettre pas de l'huile dans le feu. Quand il me prend avec un petit peu de papier, vous mettez un petit peu d'huile seulement, après, bon. Ah, donc là, il faudrait mettre de l'huile sur le feu, là, vous voyez ça? Ben, vous pouvez mettre de l'huile sur le feu. Oui, regarde ça, comment il marche le feu, là, là, il n'y a pas besoin. Lui, il est bon, là. Là, il est bon, alors. Il est bon, il s'en va, là. Et ça, si vous servez comme ça, là, pour faire revenir à lui comme ça, pas besoin de faire revenir à lui, bomper comme Cabri, ça. Non. Moins que Cabri, hein. Si vous Cabri, il faut revenir un petit peu plus, hein.
Voilà. Ouais, presque pareil. Hein. Par contre, nous, on va mettre un bon petit peu le timbre là. Oui. Hein? Et tout ça, le timbre, le mettre dans là. Ça, c'est pour le goût même, ça, alors. Bien le timbre, bien le goût. Hein? Il voit, là, comme ça, alors. Hein? Et là, après, tout à l'heure, quand il fait une bière au lit, alors ça rajoute des épices. Les épices, avec l'ail, l'oignon, tomate. Après, des années de vin. Où est-ce que tu as l'air? Mais bon. Toto, il est malicieux. Oui. Comment il est? Mais les blagues de Toto, il faut les y faire. Il faut en faire toujours un après, il y a des pareils. Hein. Mais il ne doit pas nous le presque encore en hiver, enfin l'été qui arrive. Hein. L'été, bah. Il faut se faire encore. L'été, ben. Bah. Mais tu peux être à côté du feu parce que regarde là, de feu, là, de fond. C'est mal bas, la limsa. Hein? C'est mal bas, la limsa. Ah, même l'animé. Elle est bon, là, ok. Tout le monde a dit ça là avec PVSL parce qu'il n'aime pas quand il voit ça faire ça. Ah, il n'aime pas lui. Il n'aime pas ça. On va parler de toute son affaire, comment elle est bien organisée. Elle est organisée comme ça. Patrick, tu vois comment Toto là-bas il a toute son affaire. Oui, il aime bah. Elle a dit tout pour les propres. Bah. C'est ça qui est bien. Il donne l'image d'un bon cuisinier. Un bon cuisinier pour toutes les propres toits de lit. Hein. Tout le temps. Là, il n'y voit pas, il y a une croisée, il y a son dos là. Il écoute, ah oui, elles oreilles écoutent, elles oreilles veillent voler, il est dégoûté, hein. Elles oreilles écoutent, elles oreilles veillent voler. Il veille voler, ben. Il veille voler. Il écoute, comme ça nous a dit. Comment ça fait? Le bon matin, Kabila, c'est lui. Mais oui, il a fait un matin ou non? Elle dit, de bon avoir le Kabila. Ah bon? Pas dit, même la volée. Bon, ben nous, allons écouter un petit coup sur voler à Kabila, alors, elle est bon. Regarde. Un camion guitare, elle est bon. Ouais, elle ouais. Un camion guitare, vite, moi. Hein. Regarde, mais si il vient avec, hein. Si il vient avec? Oui. Elle est bon, alors, elle est bon. Allez, tiens, regarde, elle coule voler à Kabila, alors. Regarde, elle coule voler à Kabila, puis tu dis où? T'es, mais de même, c'est pas possible. Il n'y a pas ça dans le Mohamed là. Non. Assois-toi, c'est sûr. Patrick, qu'est-ce qu'on fait là? Le filet avec l'ail. C'est filet avec l'ail alors? Ben. C'est bon, hein? Bon, après, arrête filet parce que là, mais ça va jouer un morceau, moi là. Ouais. Ça, non, mais vous voulez cabouille. Vous voulez cabouille, c'est tiré sur le cousin. Non, même ça joue ça avec ma tête alors que bien hein? Là. Ben, parce que Toto, il veut un morceau là. Il y a un morceau là, lui. Tous les jours, il parle à moyen avec morceau. Vous voulez cabouille. Il y a un morceau. Mais Patrick, si, viens, va. Viens pas, moi. Bien, non. Les guitare. Ouais. Hein. Ah non, les meilleurs quand j'ai. Vous venez à moi jouer? Ah oui. Ben les bons, là, les bons, allez, les partis, là. Alors, c'était ça, t'es encore petit. Comment aller faire grossir? Aussi. Ça t'est fini bien joli. Mais déjà où ça t'est le vrai aspect. Que la vole mon cabri. A tout le monde, petit saloperie. Que la belle la casse d'envie. C'est pas béni. Que la belle de la vol mon cabri fait même mon petit saloperie de la main la case d'envie j'ai gardé le cul de la paix et il donne sa misère pour avoir la bonne chair et comme elle ma pays donne sa vieille pour avoir la bonne chair. Et comme un bon éleveur, moi j'étais loin comme ce voleur. De la vole mon cabri, mon petit saloperie. De la vol mon cabri a fait même mon petit saloperie de la même la carte d'envie tu m'as perdu de la paix et mes chemises tu m'as fait plaisir Albert
mon petit frère. Pour le jour son anniversaire, ma papa parle de bons affaires. Lui dit m'a fait plaisir à le père. Ça c'est mon dernier petit frère. Pour le jour son anniversaire, ma papa parle de bons affaires. Que la bonne mon capri. L'âme, ça connaît le volet à cabri. Parce que ma fille dit que c'est le volet à cana. Mais là, je me vois que c'est le volet à cabri. Ouais. Oui. Là, tout ça l'a fait. Là. Ça, c'est que l'ail, ça? Il n'y a que l'ail. L'ail, hein? Donc, ça, c'est pour le civet, ça? Hein? Oui, pour le civet. Mettre pas gingembre dans le civet? Mettre. Là, aussi, un petit peu, hein? Oui. Donc, ça fait un petit peu gingembre aussi. Oui, un petit peu gingembre. Donc, ça, c'est moins élevé que gingembre dans la coupe pour où, là? La première, madame. Mais il a dit la première fois que ça court dans le jardin, là, la suite, là, elle fait noir. Hein, bah oui, mais... On peut croire faire comme ça maintenant. À chaque fois qu'elle a besoin de morceaux de gingembre, on va y avoir dans la cour, on peut travailler morceaux de gingembre. Alors maintenant, il faut dire que tu attrapes d'autres mêmes. Voilà. Mais même au bonnet, quand il fait jour, il fait gingembre. Non. Non, le soir. Voilà, le soir. C'est gingembre de nuit. Ah, voilà, voilà. 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 Bah, il faut c'est moi qui s'attrape le gingembre. Bon, malé, ça va. Ça bon, va. Ben. Hein? Naïmoun l'a trouvé? Non, dans le frigidaire, j'ai toujours un barquet dans le monde de mon frère. Je crois. Mais la prochaine fois, on m'a fait comme ça même. On va aller rôder dans la journée, on va mettre un petit barquet dans le frigidaire. Et là, gagné, t'es trouvé. C'est bon, gagné, t'as mal à l'arrivée. T'as gagné. La quoi du tout? Non, il faut aller voir. La quoi du tout dans le frigidaire, là, t'as la jambe, là? Non. La quoi du tout? Non. Dans le frigidaire, là, tout qui a été fait, mais la quoi de la jambe? Bah, que veux-tu? Le frigidaire, il n'y a que champagne. Bref, on ne cause pas ça de l'intérêt. Non, mais. Ça va, j'ai un jour. Bah, là, on est obligé d'aller. Là, on est obligé d'aller au tchat. On l'a vu, mon joli soulier? Filme mon petit coup, monte un petit coup, bonne là, mon joli soulier, là. Ah, regarde mon joli soulier. Vous l'avez? Il a lâché ça? Ah, ça, mon cadeau, ça. Cadeau? Ouais, Calix, c'est moi, ça. Ben, ça c'est mon cadeau, Calix c'est à moi, parce que Calix dit comme ça là, hein, mais il est pas trop grand, donc nous l'avons une famille pas trop grand, ah, mais regarde à où, hein, mais bon, hein, et ben, tu vois, comme ça, avec soulier là, il gagne 3 cm, ou à Vitalon comme Léo, donc maintenant, comme il vient faire la télé, il met un soulier un petit peu plus haut, au moins comme ça, il gagne 3 cm, ben, oui, il grandit moins d'un coup comme ça, et ben, Azot aussi met talon maintenant, ben, pourquoi moi, il ne mettra pas un talon au moins? Ben alors, hein? Bon, mais m'a mettre mon talon pour aller dans le jardin, à côté là-bas, pour aller rôde, gingembre. Voilà, les bon? Le bon, allez, mais ça va alors. Allez. Patrick, heureusement, ma gueule camarade pour les rôdes gingembre, alors. Oui, ben, hein? Parce que sinon, ben, là, tu laisses moi tout seul pour les rôdes gingembre, là, dans la nuit, là, hein? Bon, la prochaine fois, là, m'apprends gingembre la nuit. Ouais, hein? Moi, elle est pas trop loin. Hein? Bon, ben, les bon, allez, alors, on connaît chemin. Oui. Tu sais, oignons verts, là, soir, regarde, oignons verts, comment est-ce que tu
Zonio Vert est bon pour faire. Et Rougaï l'a mouru maintenant. Il a mouru maintenant, gros Zonio Vert dedans comme ça. Hein. Là. Et bonne fraise, allez, pousse bien. Ah ouais. Regarde fraise, comment elle est là, t'es là. Dans le jardin là, tous les jours, il se passe un affaire. Vous l'avez vu, Cresson, comment fini arrivé. Cresson est plus un temps sec. Ah, Cresson est plus un temps sec. Mais là, Cresson, comme il n'a pas mangé, il finit un petit peu dur. Hein. Il fait un petit peu dur parce qu'il n'a pas mangé depuis machin. Hé, hey, viens voir ça. Vous connaissez ça? C'est quoi? Regarde là, Nina Ntia là. Hein? Vous allez là? Ouais. Vous allez là, hein? Un pomme roll. Un pomme, pomme roll. Vous ne pas ça? Pomme l'os. Vous avez cassé là? Comment il voit un petit coup? Voilà, hein? Voilà. Ça, c'est comme un. Il est comme un petit melon, un petit. Et l'autre fois, on a cassé la même pour goûter le panneau. Ben, hein? Voilà, ben, et le pied de bois, il est comme ça. En fait, il est comme un petit concombre non, sucré, hein? Voilà. Toujours tes verrous, là? Zinzom. Zinzom, l'autre côté là-bas. Hein? Zinzom, il est loin. Pour ça, on fait loin, il ne voit pas trop zinzom. Et là, Nenepet est là, il dépasse dans le sol, là. Mais c'est bien. Enfin, c'est dur, t'es là, non? C'est dans l'autre côté là-bas. Ah non, non, le meilleur zinzom, quand il dit même les meilleurs. Quand il dit les meilleurs? Ouais. Mais bon. Noircé. Noircé? Ah ouais. Il est beau. On n'a pas besoin de 4 épices. Il y a un appui 4 épices, il faille 4 épices dans les balles. Ah oui. Hein? Ouais. Parce qu'après qu'il a fini là-bas, il a renvoyé moi dans le jardin. Le soir là. Hein? 4 épices, bah. Il y a un bon civet, il faut toujours un bon 4 épices, non? Oui. Ouais. Ça c'est 4 épices ou Ravine Sarah? 4 épices. Et Ravine Sarah, le feuille le plus petit. Le feuille le plus petit. Ça, le 4 épices. Et là, il est en fleur aussi, hein? Oui, ben. Voilà. Voilà. Il est bon là? C'est. Assez? Ouais. Bon, ben il est bon, allons-nous, allons. A gagné. Allez, bon. Allez, bon, alors. Ok. Côté, je dis, ben, il laisse moi tranquille. Ben, connais-moi fatigué, finalement, Gamoun. Ah, 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 le grand raid depuis le grand monde. Non, il fait tirer à distance. Ah, où rire? Ah, ben, il rit même. Ah, ouais, parce qu'on n'a pas couru un petit peu quand ça couru. Ah, ben, il dépend. Bon. Il faut que le gars suive à moi. Ah, il faut le gars suive à vous. Ah, on a vu ça. On a vu ça. Hey. Parce qu'il calcule quoi? Il calcule que tu voulais un gouillabaté. Il fait une dépasse à moi. Ça demande à quelqu'un. Hein. Et tu connais l'expression un gouillabaté? Un gouillabaté, oui. L'expression un mangaté. Un mangaté. Un mangaté. Moi, je ne connais pas. Là, pareil. C'est à terre, là. C'est fini. Il n'est plus là. Oh. Pas tout à fait pourri, mais un petit peu affaibli. Vous avez quelqu'un qui a mangaté? Non, il est affaibli. Mais qui s'est affaibli à moins de peu? Qui s'est affaibli? Ah ben, certainement moins encore. Ah, bon, ben, ah oui. Ben voilà. Là, je te regarde un coup là. Ah, d'accord, alors, ok. Bon, mais quand est-ce que la prochaine fois, vous le savez, ça va faire, hein? Passez une bonne petite soirée, soit tranquille. Ben. Oui, ben, la poitrine de monde, c'est la législation en ce moment. Ouais. Et très bien, très bien. Ouais. Ben, après, nous montons à autres. Et quand nous n'est pas nous les trop près, après, nous n'avons ça, nous. Hein. Ah, ouais. Quand on est trop près, on met ça. Quand, là, par exemple, quand on se souvient trop près, là, on met ça. Ben. Ouais. Voilà. Et n'y veut pas faire l'avocat du diable, elle dit comme ça, quand dans ces petits trous là, il y a 10 000 ou 20 000 ou 30 000 virus qui peut passer dans les petits trous. Mais je connais pas, il dit moi mettre, mais mettre. Si vous dites moi ça, me tire les moi alors. Ah bon, ouais. Mettre ta l'air. Ah donc à où là, quand vous mettez ou mettre, quand vous tirez ou tire. Voilà. Ah d'accord. En bon créole, les personnes un petit béni vous dit. Béni voilà. Si on fait trop tôt, oui, de, à moi, m'y connaît ça depuis longtemps. Béni depuis béni longtemps béni. Oui. Est-ce que nous pourrions être un début des béni oui? Béni oui et non. Ça dépend des situations. Ah, d'accord. Il y a des situations où on peut être des béni oui, et il y a des situations où on dit non, pas du tout. Donc, du coup, on peut être notre propre chef. Tout à fait, notre propre chef, notre propre arbitre.
et on a nos décisions à prendre. D'accord. Et quand tu es d'en haut, on te dit que la décision que tu prends a des conséquences sur ton environnement et les personnes qui t'accompagnent. On fait comment ? C'est pas un peu une feuille du bourrage de crâne, tout ça ? Ben, en fait, ça dépend un peu aussi qui est en haut et qui l'est pour toi. Ouais, mais juste entre nous, on sait qui est en haut. Si c'est une administration qui te demande de faire certaines choses, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire, surtout si c'est ton administration, ton chef, entre guillemets. D'accord. Ouais. Hein? Toi, tu es dans une administration, à côté de l'administration, ou bien sinon, tu es en dehors de l'administration? À moi, il est dans l'administration. À moi, il conforme à moi le diktat, mais j'en pense pas moins. Et vous connaissez l'expression désobéissance civique ? Non, explique-moi. Il ne connaît pas. Il rend la zone, tout ça, non ? Ben non ! Désobéissance civique. Non, il ne rend pas la zone. Mais la droite a dit comme ça qu'on perd une droit civique, tu ne dois pas voter. Ah, pas du tout. Ça, oui. C'est. Ça, vous c'est. Pas voté, vous perdez vos droits civiques. Non. Et donc, vous faites la désobéissance civique, donc vous perdez beaucoup de droits. Elle n'est pas le droit de vote, la désobéissance civique, non ? C'est pas seulement dans le vote, alors ? Non. Ah bon ? Non, non. La désobéissance civique, pour moi, ce serait. Comment dire ? Voilà. Viens m'aider. Alors, quand au bon sens, il dit à où ? N'est pas normal, n'est pas. La désobéissance civique n'est pas un petit peu un mot foutisme à l'état pur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une sorte de réaction, naturelle pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on veut nous imposer. Après, ce n'est pas forcément une faute professionnelle. Est-ce que dans une société dans laquelle on vit actuellement, on peut se permettre de. Non, mais à moi, je ne comprends pas pourquoi on a le droit de fréquenter les supermarchés et on n'a pas le droit de rester sur la plage. D'accord. Je ne comprends pas parce que c'est une raison scientifique. Par exemple, les lieux fermés, banal est plus contagieux que les lieux ouverts. Déjà, d'une. Ensuite, la chaleur, il tue le virus. De deux. De trois. Dans la mer, il n'y a aucun trace de virus. M'a étudié tout ça, m'a recherché, m'a étudié. Il ne me dit pas n'importe quoi. Bon, m'a cherché. Donc, il y a une justification scientifique et pour dire. Oui. Est-ce que quand. Excuse-moi, hein, oui, non. Je reviens. Dire n'est pas normal. Aller plus près de Marie-Rose, est-ce que quand tu es dans un restaurant et que tu as dit que tu enlèves ton masque, tu n'as pas de virus. Dès que tu te mets debout pour marcher, il faut que tu mettes ton masque parce qu'il y a le virus. Est-ce que le virus est un virus un peu mesquin qui ne contamine que les gens qui sont debout? En fait, c'est une question de. Dès que tu restes sur place et que tu restes dans ton environnement, tu ne peux pas contaminer. Par contre, si tu te déplaces et que tu te déplaces sans masque, sans prendre de précautions, tu peux et contaminer les autres et être contaminé. Après, on nous demande de faire ce geste entre guillemets civique. On essaye de le faire dans la mesure du possible, sans pour autant être des bénis oui-oui. Ah bon, on n'est pas bénis oui-oui du tout. Moi, je trouve, en fait, moi, j'ai appris une affaire aujourd'hui, c'est que le virus, il vole à peu près à 1,50 m, 60 m. Donc, quand on est assis, il vole plus haut que où. Voilà. Donc, si on marche quatre pattes, avec une plume dans le cul, pardon, ben, là, on ne trappe pas virus du tout. Okay. En parlant de virus, vous ne voulez pas dans les virus, mais au fil de mettre toutes les épices dedans. Là, on a fait une mettre. Là, on a fait quoi dedans là ? Caprépices, oignons, l'ail, zinzon. L'ail, zinzon. C'est tout, hein ? Depuis tout à l'heure, on va parler de grand sol. Oui, parler de grand sol. Et là, on a fait une tomate dedans. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes CF, Mais je ne connais pas pour l'instant, mais ouais, c'est la viande, mais après, dedans, il dit la viande. Il dit la CF. La CF, hein ? C'est bon, ok alors. Il ne faut pas rajouter de vin, rien du tout là. Non. Et déjà, il a une belle couleur, hein. Yeah. Sans le vin. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, il demande comme ça, il ne faut rajouter pas beaucoup de vin. Une bouteille de vin, il suffit, hein. Voilà. Oui. Hein.
Et vous la rajoutez aussi les feuilles de 4 épices, oui, mais on ne l'a pas vu au fait de moi tout à l'heure. Hein. Non, Madiao, moi, premier coup, Madiao. Gingembre, l'ail, oignon, tomate, feuilles de 4 épices. Et ensuite, au départ, on la rajoute le muscade. Non, muscade. Muscade, bon. Girofle. Hein. Et voilà, donc, le secret, c'est tout. Hein. La girofle est dans la marinade ou bien elle est après? Non, dans la cuisine créole, il n'y a pas de marinade. Ah, il dépend. Non, on le met directement dans la viande lorsqu'on veut remis à la viande au départ. En fait, on ne parle même pas de remis à la viande. Comme on dit, on enlève son jus. On enlève le jus. Tu ne fais pas mariner le cerf avant. Non. Il est tué. Les gens, ils marinent. Les gens, ils mettent macéré. Ouais, parce que c'est un gibier, il faut le macérer un petit peu. Faisons-des. C'est pas obligatoire. Non, en cuisine, fais bois, qu'on mange ça tellement vite, c'est pas besoin, pas la peine. Et c'est aussi bon. Au feu de bois. Voilà. Ah, oh, il fait gagner le temps. En fin de compte. Là, il faut tourner. Arrête pas de tourner. Hein. Parce que soit arrête de tourner, ça brûle. Hein. À ce moment-là, hein. C'est quelque chose de compliqué à faire alors, hein. Non. Un litre de vin suffit pour 5 kilos de... Hein, parce qu'on avait 5 kilos là, non? À peu près 5 kilos, oui. À peu près 5 kilos, hein. Un litre de vin rouge, hein. Voilà. Et là, il faut qu'on passe le feu. Oui, bah. Hein? Parce que là, il y a feu doux, là. Alors, hein? Oui. Doucement, doucement. Hein? Petit feu. Disons avec la braise, alors. Avec la braise seulement. Hein? Donc, c'est pour ça que Toto, il écarte un peu le feu. Toto, on est écarté le feu ou? Non. Hein? Dis-moi, Toto. Quel moment l'écarte de feu ou? Non. Mais pas. Toto, l'écarte un peu le feu? Non, mais ne dis pas que tu es tellement habitué. Quand tu connais quand il faut écarter de feu. Hein? Pas besoin d'attendre le 1er janvier. Ouais, là, on essaie de mijoter doucement, nous faire autre chose. Bon, mais bon, là, ok. Ça fait un petit peu poire. Le poire, bien les grains blancs. Grains blancs. C'est un gros blanc. Hein? C'est un blanc. Vous avez un petit problème avec poids ou quoi? Mais il y a un poids, moi. Oui, Mais il y a un poids. Ah, non, mais c'est le grain, moi. Il n'y a pas poids, moi. Le poids, c'est un grain? Ouais, mais je ne suis pas très poids, moi. Ah, ça compte pas. Voilà. C'est plus poids que poids? Je préfère plus les haricots. C'est plus poids que poids? Comment? C'est plus poids que poids? Non, mais il est plus haricots. Ah, bon, il en est aussi. Plus poids que poids? Allez, boîte. Allez, bon. Ok, là, on fait remis à quoi ou là? La petite, les oignons, l'ail et poivre, le thym, et moi, vous pouvez mettre un petit peu de poivre dedans, hein. Et une dégâche avec un petit peu de haricot blanc. Voilà, au moins le gentil qui prend bien la couleur. Le gentil qui prend bien la couleur, voilà. Répétition de la marmite. Non, c'est pour marmite des autres. Non, allez, vous ne connaissez pas. Bon, et là, on rajoute toutes les haricots dedans, et au fur et à mesure, au fur et à mesure, un petit peu. Ah, bon, ça là, tout à fait. Je laisse l'oignon là rougir un peu. Ouais. Ben, les oignons là, les blancs, ils font un peu rougir. Les... Ah bon? Ben. D'accord. C'est pas tout ce que les blancs pour bien dire rouge. Hein? C'est seulement les homards qui fait ça, hein? Les homards, oui, voilà. Je dis qu'on a une soirée les homards. Ah non, mais laissez avoir un compte à moi. Les homards rouges. Non, mais attends qu'on raconte à moi. Attends, ça va, Calix, rajoute là. Là, mais le feu là est dedans, je veux ça. Le feu là est dedans, je veux ça. Un super feu qui brûle, coucou d'ailleurs Grégory. Et à papa aussi, hein, pour le super feu, quoi. Quel papa, dis Patrick. Ben, c'est mon papa Patrick. Et à Grégory, gros bisous. Et là, il rajoute un petit peu de l'eau dedans. Tu peux de l'eau. Pour que... Jean-Claude, Et là, il rajoute un petit peu de l'eau pour qu'il y ait un peu comme ça. Fais un petit coucou au bord de mer. Bord de mer. Le restaurant bord de mer. Ah oui, avec le garçon de Calix aussi qui travaille. Donc un gros coucou à toute l'équipe, super sympathique. Les deux jumeaux, les patrons. Donc on l'a vraiment bien mangé. On s'est
C'est à Sion Saint-Pierre. Oui. Sion Saint-Pierre, au front de mer. Au bord de mer. Au bord de mer. Ça s'appelle au bord de mer. Au bord de mer. Il est au bord de mer. C'est à Terre Sainte. Et Calix, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Là-bas, on a des bons petits plats. Ouais. Magret de canard. C'est-à-dire que là-bas, on peut manger créole, on peut manger métro, oui. Et chinois aussi. Et son risotto là tué. Hein. Son risotto là tué. Moi, moto bene. Ah ouais. Excellent. Au bord de mer. J'ai encore dit, il tombe, il lève plus. Ah, tellement t'es bon. Comme pour un risotto comme ça, alors, hein. T'es bon. Il y a 6 niveaux. Ah oui, même les gambas. Ah, excellent. Voilà. Donc, tu veux dire que si vous allez manger là-bas, il faut réserver en avance. Ah, beaucoup, beaucoup à l'avance. D'accord. Ouais. Donc, Julie, tu connais l'adresse, hein. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, à Pierre-Sainte, sur Saint-Pierre, au bord de la mer. Voilà. On a un petit voilà. Qui appelle le boui-boui. Le boui-boui aussi, hein. Nous, super bon là-bas, on mange bien. On mange bien, ah, hein. Voilà. Voilà, les deux restaurants à côté. C'est aussi des restaurants où tu peux manger du poisson frais. Et c'est vraiment super bien cuisiné, quoi. Et ouais, on va dire que tu as les pieds dans l'eau, quoi. Voilà. C'est vraiment, vraiment au bord de la mer. Et là, tu vois les surfeurs, tu vois les kitesurfs. Et les baleines quand c'est la saison. Et les baleines quand c'est la saison. Voilà. C'est ça, Calix, hein? Tout à fait. Bon, ben voilà, on fait un petit coucou au bord de l'eau, le restaurant à Saint-Pierre, Tiercette. Et si tu es toujours un grain blanc? Toujours un grain blanc, ben. Parce que si vous mettez safran, il ne va pas quand il met sur la table en ce moment. Donc, il ne met jamais safran dans les arrêts blancs. Si, mais quand on fait un civet. Non, mette pas. Il fait plus créole. Non, il fait plus créole qu'elle est comme ça. Il fait quand même un plat du dimanche. Par exemple, on fait un civet ou fait un grain blanc. Ça met ça fond dedans. Il fait pas joli à table, vous comprenez? Ah, mais dans le grain blanc, il met sa fond aussi, mais ça dépend dans quel carré vous faites, vous comprenez? Vous faites un civet. Bon. Mais qu'on prend un grain blanc généralement, c'est qu'on mange un civet, non? Voilà. Hein? Civet voilà. Canard. Civet canard, mon canard, est noir. Civet canard, ça c'est le grain blanc, ça c'est haricots blancs. Haricots blancs. Et avant, haricots blancs, c'était le plat du dimanche. Ah ouais, c'est bon, hein? Un bon civet canard, c'est un bon lentille. Lentille? Ah ouais, bon carré lentille. Et salade concombre à côté? Salade concombre. Ah bon, salade concombre et haricots blancs. Encore, ça rien, un bon civet lièvre. Le ça pas mauvais. Mais mange quoi? Dans le gros blanc aussi? Non, toujours l'entille. Oui. Ah, toujours l'entille? Toujours l'entille. Ah, où c'est l'entille? L'entille. Ouais, au bien soir, au rougail. Comment tu manges mon père? Je veux dire avec un rougail mangue. Alors qu'on mange canard, on mange quoi? Ou l'entille, mais dans le gros blanc? Dans le gros blanc? Si c'est civet. Si c'est civet, dans le gros blanc. Voilà. Mais bon, après, il dépend comment il fait. On avait un petit coucou à faire? Non, supposons mon commis arrive là. Commis arrive? Oui. Une bride? Oui. Alors, on tombe dans la vie parce que c'est lui qui fait le poulet à la crème aux champignons. Champignons frais. Ouais, ouais, ouais. Ou pas, c'est pas champignon frais. Bah ouais. Dans mon jardin. Ah, c'est où? Dans ton jardin, ton champignon frais. Bah si, t'es moi, j'avais vu mon jardin, ou viens, papa. Toi, tu es dans ton jardin, ton champignon frais. Avant, mis moi, champignon, les chauds, moi. Christophe, point. D'un ou? Bah si, t'es bien, Christophe. C'est moi, t'es moi. Mais c'est ça que dans ton jardin, on a champignon frais. Bah si, dans ton jardin, on a champignon frais. Ah bon, d'accord. Alors, ah, mais t'es arrivé. Regarde le commis là-bas. Allez, on va revient tout de suite là. Le commis arrive. Le commis arrive. Bah oui. Le commis, le cuisinier, parce qu'il dit. Ça, Patrick le commis? Non, Ingrid. Regardez, elle y arrive. Mais il habite dans le sud. T'as allé voir Ali tout de suite, hein? Bah, allez voir Ali. Allons, 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 comment ça va? Ça va. Eh, où sont les petits tiens aussi? Nous arrivons là. C'est pour ça qu'on arrive en retard comme ça. Oui, désolé, je suis en retard. Et c'est où qui cuisine? On arrive en retard. Oui, ben, désolé, on va manger un petit peu plus tard que d'habitude. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, ça fait un poulet aux champignons à la de la croix de Christelle. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Parce qu'il parle de la pâtisserie de champignons de son cours. Oui, c'est ça. Ouais. Dis maman, il couillon, non encore. Ben ouais. Non, elle y confirme mon affirmation. Hein? Elle y confirme mon affirmation. Ouais, mais autres là, là, c'est un petit peu comme le chien qui chatte, ça, non? Non, non. Bon, mais là, ça sort alors, hein? C'est bon? Ok, à tout à l'heure. Ben voilà, le grain est fini. Le grain est fini, il m'a dit de côté. Quand le grain est fini, la pluie commence à tomber. Mais bon, c'est un bon présent. C'est un bon présent. Ah oui, il m'a encadré et puis la pluie. Bon, si tu peux même planter, il faut aussi. Hein. Ah, oui. Tu fais la pluie, t'as un temps. Fais du bien. Fais du bien. La wicked farm. Ils n'ont jamais fait un poulet à la crème avec la pâte? Non, c'est ça. La pâte, non, c'est une première. En fait, là, c'est une première, voilà, bien sûr. Pas, mais... pâte, pas des pâtes, mais des pâtes de. La pâte de. La pâte bourre, non, mais pâte, pâte, la pâte de. Voilà, un poulet à la crème avec la pâte. Avec la pâte. Voilà, tant qu'à faire, c'est parfait. Ça passera très bien. Ça passera très bien. Voilà. D'accord. En tout cas, Mamina a hâte de goûter ce qu'elle a cuisiné. Parce que c'est une bonne cuisinière. Hein? Avec le petit coucou et tout, c'est voilà. Ben, jusqu'au bout des ongles, d'accord. N'est-ce pas? On la prend là-haut? Oui.
Mais bien sûr. D'accord. Mais c'est un petit coucou à maman. Un petit coucou à maman, un petit coucou à ma soeur. Ah, à ma fille. Et à ta fille. Et à ta fille. On allait en France. Ah, d'accord. Et là, il y a tout à louer. Regarde. Un coucou à toute la famille de la France aussi. Voilà. Voilà. Elle est bon. Ok, bon, explique-nous un peu comment à l'instant on va faire couler la crème. Ok, elle est bon. T'inquiète pas, tu seras bien assisté. On a de quoi ce soir. Là où l'assistante? Non, moi j'assiste pas, moi je commente, mais les assistants sont là-bas. Non, ils ont oublié de mettre un E à la fin. Eh, les commandes. Moi je commande. Ah, les commandes. Je commande. Jamais. Jamais été. Jamais été. Ils commandent pas, moi. C'est une grille chef d'orchestre. Toto, le chef d'orchestre. Ah oui, Joanne, hein? Battre la mesure. C'est qu'on parle tout ça, Joanne, pour battre. Toujours. Voilà, ok. Bonsoir, fils bien, vous faites ça là, nous? Non, non, il débrouille bien, lui. Débrouille bien, lui. Comment sa spécialité, ça? Salade? Ah oui. Salade. Tout le monde, aussi. Si elle ne fait pas salade, lui. Elle fait. Ah oui. Quand il manque salade du tout. Ah si, mimant salade, moi. Mais seulement, il me trouve salade les bons quand on n'a pas besoin de mettre vinaigrette dedans. Tu vois, bonne salade. Ben, non, mais le salade n'a un goût. Tandis que si vous achetez salade de supermarché, on va dire, ben n'a pas le goût. Je vais mettre une affaire dedans pour bien le goût. Alors que salade n'a le goût. Donc il faut planter toute salade même. Ou bien vous trouvez un camarade qui plante. Voilà. Pas mauvais, il connaît le filon. Eh ben après, regarde, il manque spécialiste. Ah ben oui. À tout le monde, garde la main. Il va nous aller là. Ben. Bien fait ça, ouais. Ah ben faut chacun faire un petit peu. Donne un petit coup de patte. Donne la main. Donne la main, ben c'est. Ou mettre une main au service de ce qu'il est en train de faire. Ah, ou donne la main. Voilà. Mais on reprend ce moment. On reprend à la fin. Vaut mieux. Non, ils volent pas la main là. Non. C'est bon là. Et première fois, Miwa, il tire la peau noire, enfin marron là sur. Champignon. On t'a fini. Mais vous arrivez, vous tirez la peau sur champignon? Oui, on enlève un petit peu. Voilà. Moi j'ai. Comment il appelle ça là? Diriger les opérations. D'accord. Voilà, moi, t'as un petit peu champignon là. Mais champignon là, les tunistes. Hein? À cause de l'enlève son kilote. Il y a pas là. Ça rentre. Il y a pas là, il sort kilote, c'est sûr. Maintenant, c'est 100 kilote. Pourquoi? Parce que n'est pas bon le. Mais c'est moche, comment tu as dit ça? C'est pas du tout élégant. Ah, déjà, je le ah non, ben n'importe quoi. Non, l'enlève. Ben non, ça rentre. Ça cuit avec ça, non, moi, non. Ouais, non, ben je sais pas. Ben, après, c'est les effluves, écoute, puis on les utilisera après, quoi. Une soupe avec. Ah oui, pourquoi pas, une jolie soupe. Une soupe de robe de champignons. C'est ça, hein? Oui, ou bien une sauce champignon pour manger avec du bœuf. Avec du quoi? Du bœuf. Non, c'est pas trop bœuf là pour le coup. Nous va mettre porc, ou bien poulet. Ah, ben écoute. Hein. Ou bien sinon. Un rôle des ordres ou non? Ah non, mais mange tout. Ah bon, d'accord. Après, vous là, à côté Julie, là, elle a chance, faut pas. Je vais me taire ce soir. Le poulet revient, hein. Ouais. Ça, c'est sans rien, après, la poivre, hein. Si, obligé de mettre un petit peu. De quoi? Le sel, comment? Ouais, mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ouais. Rougir bien, après, il vient de faire son carré. Voilà. Ouais. Il a une petite peu mal. Ouais. Bien sûr, mais je regarde si elle fait bien la chose. Ah bon? Sinon, je vais la réprimander. Ah, n'est-ce pas, Ingrid? Ben oui, il a bien dit, il commande à soir. Non, il n'y a qu'à soir. Ah,
Ah, ben, il connaît pas, moi. Tout, voyons, tu vas gâcher le charme. Ouais. Vous connaissez le temps des commandes, là, tu dis aussi, connais. Ah, bah. Ça, c'est ce qu'on croit. 1848. Mais ça, c'est ce qu'on croit. Parce que l'exploitation, elle existe toujours. Oui, ouais, ouais. Voilà. Carocon. Ah, pas seulement. Ouais. Pas que. Exploitation dans le carocon. Et puis, comment ils voyagent ça? Et puis, ça voyager, nous ça va voyager. Ah, ça va être en quarantaine, mais c'est pas grave, on va bien voyager. Maurice. On va à Maurice. Bisous les Mauriciens, bisous. Mais avec toi, voyons. Ah, c'est à la fin, quatorzaine. Ça fait un quatorzaine à Maurice. Ah bon? On va faire plaisir un peu à Maurice. C'est une bêtise, non? Oui, en fait, il trouve qu'il y a un petit peu. C'est une petite bêtise, non? Là où commence, ça refait polémique là-bas. Arrête en haut. Ah ouais? Ah, c'est à ouais. Non, bon. Mais c'est pas ça, c'est que aller à Maurice pour rester à l'hôtel pendant 7 jours. Ah oui. C'est 14 ou bien 7 jours là. Non, si, tu dis quoi, toi? Moi par contre là, je compte pas sur moi pour aller en vacances. Si tu as du fric à dépenser, c'est un super hôtel, je dirais pas non. Mais après, c'est vrai que 14 ou 7 jours, il est un petit peu trop exagéré, à mon sens. Quand tu vas, tu veux bouger de l'hôtel, t'as pas forcément envie de rester dans l'hôtel. Donc voilà. En plus, paraît-il que c'est un hôtel imposé par le gouvernement. Ouais, et là, ce serait pire, quoi. Je sais pas si c'est vrai. Bon, ben, ça, c'est à vérifier, peut-être. Mais voilà, faut pas exagérer. Mais il pense qu'au bout d'un mois, deux mois, ben, ça enlève. Eh, nous va aller à Nocibé. Ah oui, ça me tente bien. On va partir à Nocibé en fin d'année. Mais les frontières, normalement, là-bas, ça s'ouvre le mois d'octobre. 1er octobre, mais après, on ne connaît pas. Tu pourras aller à Nocibé, de Nocibé partir à Tana. Ce sera un point d'interrogation. Parce qu'avec le bébé, c'est pas facile. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va voir un peu. Voilà. Changement de cap. Ça y est, c'est bon, ils ont le poulet là où ça s'est donné. Oui, avec des oignons, de l'ail et un petit peu de thym. Et un petit peu de thym. Vous pouvez en gérer, ça. Ok. Ah oui. On rajoute un petit peu de vin blanc sec. Ouais. Faut décrouter. Bah, on décroute un peu. Décroute un peu. C'est bon, les bons. On décroute, hein? Non, mais pour donner le goût. Pour donner le goût, alors. Hein? Voilà. Il n'aime pas déglacer, ou? Parce que, bonne fois, je disais, il connaît les mêmes glaçons. Il glace, il déglace. Dans le Mohamed, il ne connaît pas que tu veux dire déglacer, là, moi. Bon, ça, un petit peu comme ça, dit là, comme ça, il ne parle pas des glaces, il dit, décroute un peu. Décroute, hein? Ben, décroute le poulet, alors. Décroute le poulet. Bah. Hein? Décrouter au vin blanc. Non, mais les dinars, décrouter, non? Décrouter, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Ouais. Comme ce nom-là. Mais une petite sauce piment. Ah, le petit sauce piment là. Ben. Ah, d'accord. Donc Charlie n'est pas fait piment non. Ah, dis-moi Zordi, il ne fait pas rien. Zordi ne fait pas rien, au fait. Ben. Malin. Allez au bas. Allez au bas. Hein? Allez au bas. Ah ou. Ah ou fait piment. Oui. C'est ça, parce que là, on donne un petit coup de main. Toujours, il faut donner toujours un petit coup de main. Pour ça, pareil, de mal bas, mais pas de créole, tout pareil. Il y a un tour pour faire une bonne affaire. Hein. Voilà, une bonne affaire. Hein. Une bonne affaire. Pour moi, à soi, nous mangeons bien, nous passons un bon petit moment. Oui, voilà, exactement. Bon petit moment. Oui, c'est une seule piment. Oui, c'est un bon petit piment. C'est un bon petit piment. Ah bon oui. Piment, alors, on va dire mon petit coup là. Des oignons, un petit peu d'huile, un petit peu de piment, des oignons, un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre. Ouais. C'est tout. Okay, il est dangereux. Là, dis là-dedans, il y a piment, il y a piment. Gingembre, si, il y a gingembre. Il y a gingembre aussi, alors. Qu'est-ce que ça? Dis comme ça, dans ce bouquin, il y a piment, il y a piment. Il y a piment. Il y a piment, il y a piment. Il y a un petit peu de huile. Non, mais l'effort, l'effort, hein. L'effort. Ah, oui. Ça piment, ça? Non, mais l'effort, vraiment, on va goûter. On va goûter l'effort, vraiment. Ah, mais sûrement, il fait plaisir avec le petit gingembre. Comment ça? Dangereux. Ah, oui, dangereux. Dangereux, alors. Il y a un bataille, là. Il mettait un peu de l'eau dedans, là. Quoi, ah oui, mais il est bon à faire une bataille. Il met un peu de l'eau, il y a un voile. Ah,
d'accord. Laurent, t'as fait ça pour mon père. Laurent, t'as fait ça pour mon père. Non, madame, t'es préparé de l'eau piment. Après, il m'envoie. Oui. Dis-toi, tu expliques à où. Ah, il connaît rien. Ah, il s'est dit. Il s'est donné. C'est quoi ça? Piment? Piment. C'est du piment. Patrick, ça allait dans le bureau de l'avocat. Hein. Ah. Vous la prenez sur vos places. Ma dit, allez, allez, fais du piment. Je me suis dit, je ne vis pas rien. Ah, on est bon là, le poulet, il avance là ouais. Ça avance tout petit à petit. C'est pas de l'huile ça Du vin blanc. Hein. Du vin blanc. Oh là là. Hein. Il faut m'y forcer un petit peu de feu. D'accord, on va forcer un petit peu de feu. Ah, green. Jean-Claude. Toto là, il est un cuisinier créole, la cuisine des oreilles. Champignon la cour, hein. Champignon la cour, ouais. Pas mon cour, hein. La cour Christelle. La cour Christelle, hein. Eh ben, dis donc. Champignon plimé. Champignon plimé. Champignon plimé. Défeuillé. Enfin, la robe. La tielle, la couleur, tu sais. C'est quoi? Ben oui, il est bon là, il saute plus. Du curry. C'est du curry. Oui, ben en fait, il utilise tout ton curry comme de la crème, il donne un petit goût. Mets-le même. Non. Mets pas de. La Zali fait son affaire, Toto! Toto! Allez, mets la crème. On va mettre la crème dedans. On va mettre le champignon et là on va mettre la crème comme ça. Hein. La crème, c'est la crème de cuisson, hein. Oui. Voilà, hein. En brique. Mais le problème c'est que si tu n'utilises pas toute la brique, après il faut jeter. Non mais après on va rajouter un petit peu. Ne mets pas trop, oui. La besoin. Moi ouais, c'est la vie. Ouais. Ça c'est quoi? C'est du curry. Du curry. Ouais. Voilà. La comme Mauricien qui est là. Ah oui, il faut mettre en place Mauricien. Ah oui. Et là c'est quoi? Ça c'est de la muscade. Muscade? Ouais. D'accord. Vous voulez ça pour faire un gâteau là? Non. Non, mais pas la question, tu comprends, hein? Bien appelé, hein, vous ne connaissez pas, hein? Non mais si, vous ne connaissez pas. Et la crème commence à coaguler. Commence à épaissir, hein. Épaissir un petit peu. Donc il faut laisser la crème épaissir. Hein. C'est des crèmes de liaison qu'on la prend, hein. Oui. Et entre nous, un petit truc de crème comme ça de liaison, tu prends bien à peu près. 3, 4 euros, des fois 5 euros, ça dépend. 5 euros. Ouais. Hein, voilà. Hein. Et donc pour un plat, il revient un petit peu cher. Donc il faut ou protéger aller après ou remettre au frigo. Hein. Ben, au frais, mais il ne dure pas longtemps, il faut utiliser assez rapidement. Assez rapidement. Ouais. Hein. Donc il faut manger des trucs à la crème pendant 3 ou 4 jours là. Oui. C'est bon, d'accord. Il n'aura un goût malbon. Non. Un goût mauricien, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas un goût mauricien. On va goûter, on va voir. Hein? On va goûter, on va voir. On va goûter, on va voir. Allez, bon, alors. Vous le finissez, oui. Hein? Vous faites ça à blanc, c'est où? Oui. Semaine passée, il a fait carré de Jeff là. On va mettre ça même dedans. Curry bien massalé. Nella la bouillère. Fais un petit coucou à Nella là. Coucou Nella. Vous connaissez Nella? Nella la bouillère. Non, je la connais pas. J'entends parler souvent d'elle, mais je la connais Nella. Pas. Nella, c'est une chouette fille ça, Nella. Ah bah j'en doute pas. Hein. Courageuse. Bah il faut. Bah voilà. C'est joli, hein? C'est joli, mais t'as vu, hein? Pour bien faire aspirer cuit, on non. Non. Ouais. Jamais, c'est lié avec moi. C'est moi tout fait, bah oui. Maman, faim. Tu as faim? Alors? On a saliré un petit peu. Parce qu'elle dure un petit peu, hein? Ouais. Après les bouillons. Après les bouillons. Ouais. Après, il me décore à lier un peu. Ça décore? Avec un peu, ça peut... Persil. 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 Ah, où tu commences où? Persil.
Puis si les mettre dans le nez, ça. Merci. Allez, mettre ça partout comme là. Bonne fois, mettre partout. Ah, ouais. Ah, excusez-moi. Non, les bon. Ok. Hein? C'est bien. Goûter cela. Merci. Merci. Ça, tu goûtes merci. Oui. Ça. Mais pourquoi ça, tu goûtes merci? Parce que j'aime bien. Si les bon, vous gardez si les bon, ça a le goût. Regardez, sinon le goût. C'est bien. Les bons, alors, ok. Bob, dans un instant, nous passons à table. Tout est bon. Ah oui, tout est bon. Oui. Mais presque. Ouais. Ouais, dans 5 minutes. Vas-y, dans 5 minutes. C'est qui l'a fait le piment, s'il te plaît, merci. Monsieur de Marie. C'est quand même moyen. Quand il rentre la case à soir. Ah ben oui, il ne peut pas avoir le travail, son camarade. Il ne peut pas avoir le travail. Ben oui. Ah ben, on va donner ce qu'on veut à soir. Bonne santé. On va rien de cause, on va donner tout ce qu'on veut à soir. Mais bon. Et là, on s'en fait la garniture. Oui, la garniture. La décoration. Décoration. Ah. Et vous faites la décoration sur le civet aussi? Sur le civet. Enfin, moi, on a fait cul, mais il fait pas en même. Ah oui, ben donc, vous décorez, ça fait les autres. Ben. À quoi ça sert la garniture? Il faut pas filmer. L'a entendu. Pour parfumer ou décorer? Les deux. Ah, mamie préfère décorer. Pour faire décorer. Ouais. Hein, la François qui arrive, va demander François. À quoi sert la verdure? La verdure, ben, d'avoir pour faire joli, mais je suppose. Ah, ben, sûrement. Rien que fait joli. Donc, c'est pas pour le goût. Voilà. Vous donnez envie de manger. Elle a dit, si on veut congeler le reste, il faut pas mettre ça dessus. Il faut pas mettre ça dessus. Parce voilà, que... ça c'est sûr. Hein? À quoi les radins? Elle a dit où les radins en verdure? Les radins en verdure? Eh oui. Là, ça te convient? Donc ils mettent des affaires vertes partout. Ah oui, là, il y a des affaires vertes là. Hein. Là, les verts là. Hein. La végétation. On peut dire ça. Hein. On peut dire ça. Hein. Oui. Alors, Martin, ça mangeait? Ah, ben oui, là, ils sont mangés. Ils sont mangés, la fille arrive l'air, là. La fille arrive l'air, hein. Elle est bonne, là. François, la fille arrive l'air? Ah oui, là, elle est l'air, là. Là, elle est l'air. Elle est l'air. Elle est bonne, elle est l'air. Là, elle est l'air. Elle est l'air. Elle est l'air. Richard, c'est bon, c'est l'air? Ah oui. C'est l'air? On va manger, là. On va manger. Parce qu'on a bien dansé le jeu. Voilà, ok. Simon, c'est l'air? C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger? Ouais. Mais il n'y a rien sur ton assiette? Il n'y a que des grains de la salade? Je fais la queue. La queue le lait. Tu fais la queue le lait? Ouais. Voilà, ok. Un bon appétit. Merci. Big up Canal Austral et big up toute l'équipe cuisinière Canal Austral aussi. Ok. Avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.